Eh bien salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Resident Evil 4. On avait été voir le vendeur, on n'avait pas grand chose à y faire, nous en sommes à l'épisode 22. Pendant que j'y pense, il faut que je fusionne un ou deux petits trésors. Attention quand même de ne pas terminer le jeu un peu plus vite que prévu. Fallait que je fusionne ceci avec notre chat. Et là, ça me fait peur parce qu'on a le milieu, mais on n'a pas celui de gauche. J'espère qu'on l'a pas foiré. On va voir un petit peu plus tard. On va faire un zoom sur la carte, histoire de voir un petit peu où on en est, parce qu'il faut toujours garder un peu ses points de repère. On a un beau chemin. On a un beau chemin d'ici le prochain marchand et point de sauvegarde. Oh, on a même un très bon chemin. Donc, on est bon, ouais, on est pas mal. On est pas mal en soi, voire même très très bien. On va fusionner quelques... C'est trop les gars, j'ai trop d'herbe et tout. Oh, j'ai encore trop de soins, c'est terrible. Regardez. En soi, sans faire l'américain, bah on est très très bien quoi. Enfin j'ai aucune... je me pose aucune question quant à la suite de notre incroyable aventure. Ça manque peut-être un peu de munitions, mais enfin on peut pas être totalement complet dès le début. En plus on est retourné sur l'île, je pense. Oh mais là, mais c'est terrible. Je vais pouvoir remettre bien Ashley. Miskin, je serai full vie. C'est terrible. Non, je veux pas l'examiner, j'en ai rien à foutre. Ça reste une herbe, on a tous vu de l'herbe déjà dans notre vie. Ok, bon, bah on peut continuer les potes. On va regarder la carte juste pour voir une dernière fois s'il n'y a pas un trésor pas très loin. Non. Non, 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 j'ai une sorte de grande allée, je sais plus trop c'est quoi, et le prochain trésor est assez loin. Ok, on peut y aller tranquillou les mecs, on est parti. Yo les potes. Y'a rien, il se passe rien, y'a personne. Y'a personne, c'est terrible. Les gars? Ah! Oh, oh là, oh là, oh là. Oh sa mère l'hypopète. Oh sa mère l'hypopète, comme on dit dans le milieu des... Bah des popettes. Là, je sais pas trop comment je vais m'en sortir. Je me souviens, c'était pas évident. Eh, je me souviens que c'était pas évident cette phase. Vous allez voir que tout est un petit peu chronométré. Et surtout, je vais me faire poursuivre par des... Par des méchants. Ashley. What is that? Ok, les gars, on affronte, je l'avais totalement oublié, on va le combiner, juste pour voir s'il n'y a pas des trucs. Ok, non, il n'a rien de spécial. On va y aller au magnum, je vous avais promis qu'on devait l'utiliser de toute façon. Donc c'est parti, yes, une herbe, ça c'est cool. Dégage, frère. Quoi ? Salopard, va. Petit salopard, va. Ok, il est parti, va falloir que j'active vite le bouton. C'est terrible. C'est terrible. Dégage. J'ai pas le temps pour tes conneries. Oh ! Comment on va faire ? Comment on va faire ? Il y a moyen de le tuer, hein. Impossible de l'ouvrir, mais il doit y avoir un moyen. Vas-y, viens à la tête de ma mère. Allez, dans ta petite gueule ! Ok, on n'est pas bien. On n'est pas bien. Je sais bien qu'il y a un moyen, mais alors c'est quoi le moyen, là ? Qu'est-ce que c'est, les gars ? What the hell? J'ai pas compris. Ouais, là on peut rien faire en soi. Ok. Bon, il reviendra plus. Hein. Je pense qu'il reviendra plus. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, les gars? Je suis pas fou? Si, je suis fou. Impossible de l'ouvrir, mais il doit y avoir un moyen. Donc il y a forcément un bouton à activer ailleurs. En tout cas, c'est, je le vois comme ça. Ou peut-être une porte à ouvrir. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ils me prennent pour un connard là, c'est terrible. Ils me prennent pour un putain de connard. Y'a rien là les gars. Je vais pas être bloqué à ce truc ridicule, je m'en souviens de cette phase en plus. Ah d'accord. Oh là 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 là. C'est terrible. Vous devez activer un interrupteur, il doit y en avoir un autre. C'est terrible, évidemment. Hop, attention à toi quand même. Attention, va pas faire glisser tes petites mains, mon pote. Ok. Bon, bah on continue. Oh,
Salopard. Oh, tu m'as pris au dépourvu. Ok, tu dégages. Tu rentres à la maison, attention à toi quand même. J'étais pas prêt pour ces touches-là, je vous avouerai. Ok, la porte doit s'ouvrir désormais. Il faut que je sorte avant que la porte... Gros, tu me fais quoi là? Wow. Quoi? D'accord. Bon, on avait 28 secondes, on était quand même plutôt large en soi. On va utiliser un heal avec une petite herbe, tiens. Hop. Voilà, on est full vie, on est très bien. Petite grenade, ok. Ah, c'est dommage, je crois que je peux pas ouvrir d'ici. Je vois pas le sort d'interrupteur. Il va redescendre, hein. Il va redescendre, vous vous en doutez, voilà. Ok, on va reprendre le magnum, on va lui mettre... Eh, il me reste 2 balles, de quoi le chicaner peut-être. Allez, dégage. Voilà, j'espère que ça te fait plaisir, mon pote, c'est moi qui régale. Au pire, si ça lui fait pas plaisir... Ah! Salopard! Oh, tu es coquin. Ok. Oh, qu'il est coquin. Ah, d'accord, oui. Toi, t'as des bras, cousin. Ok, il doit y en avoir un autre. Bon, ça, j'ai bien compris. Donc, on va aller le chercher de ce pas, n'est-ce pas? Oh putain, ça c'est chiant quand il fait ça. C'est chiant. Ok. Allez, on est parti. On se tire. On se casse. Quoi? En fait, son but c'est de me retarder. On peut pas le tuer tout de suite. Hein. On peut pas le tuer tout de suite. Ne vous inquiétez pas. Mais bon, on est déjà sorti. On a aucun souci à se faire. On va jouer un petit peu pompe. Étant donné qu'on l'a amélioré quasi à son max. Et ça fait plaisir. Je vais garder le pistolet quand même. D'accord, il y a déjà un bouton activé par ici. Il y a de l'autre côté. Alors, un bouton sur notre gauche. Un bouton sur notre gauche. Donc, c'est parti. Quoi? Ok. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est clairement pas cool. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement utiliser ceci. Aïe! Oh, ça va! Ça va comment t'arraches, petite salope! Ok, tu dégages. Là, tu lui rends ta vie, gros. Là, va y avoir de l'esquive à faire ou pas? Ok, c'est bon, il n'y a pas d'esquive à faire. On va prendre un petit coup de pistolet, les gars. Histoire d'ouvrir derrière. Yes. Faut mémoriser le chemin en même temps. Hein. C'est pas évident, hein. Vraiment, les gars. En plus, on peut dire quand même qu'il découpe le gars. Je crois que je peux le tuer. Je suis sûr, quasi sûr que je peux le tuer, les gars. Je vais devoir travailler une petite esquive. Ok. Regarde, il va arriver. Il va arriver, ce petit salaud. Voilà, juste derrière moi. Normalement, il passe pas. Il est bien trop large. C'est bon, on est large. Ouf. On est à la fin. Il y avait que 3 pièces, il me semble, non? Qu'est-ce que c'est? Quel honneur. Oh, je pouvais le tuer. Oh, je sais que je pouvais le tuer. Aïe, je suis deg. Oh, j'aurais dû le tuer. Ah ouais, s'il nous laisse 20 secondes, tu vois ce que je veux dire? C'est que tu pouvais le tuer. Oh, c'est terrible. C'est terrible en soi. Ah bah, c'est... Eh, oh là, bah, il me régale de munitions de magnum. Au final, c'est pas grave. Au final, c'est pas grave parce que le vendeur, il va me régaler. Y'a aucun problème là-dessus. Quoi? J'ai passé la cinématique? Quoi? Ça fait mal. Bon. Ok. Une balle de magnum. Eh, hey, c'est quoi? Hop, on emmènera ça chez papy, gros, c'est moi qui régale. On va reprendre le pistolet. Attends, eh, hey, tiens, c'est quoi? Parce qu'on s'arrête pas. J'aime pas m'arrêter comme ça en si bon chemin. Voilà. Ensuite, hein, ça va la comédie. T'es là, tu verras toute ta vie. Voilà. Eh ben vas-y, pique-moi. Hop, j'ai assez d'herbe pour régaler tout l'Ohio. Allez, ça rentre à la maison. T'es mort là, non? Aïe. Il y a plusieurs transformations. Ah. Aïe. Allez. Tu la fermes, je sais même pas si je peux le tuer. C'est quoi, je vais repasser par là, j'en ai rien à foutre. On va réutiliser une herbe. On fait les shows, mais attention, hein. Au final, je disais que j'avais pas mal de... Hop, attention à toi quand même. Laisse pas traîner ton fils. Hop, attention à toi, j'ai dit. Tu veux pas que j'aille récupérer l'herbe? C'est pas possible. Ok. Je vais t'arracher.
Maintenant, on va passer. On va passer à quoi? On va passer à la TMP. Un petit coup de TMP, ça fait pas mal. Oh bah tiens, j'avais pas vu ça. Nickel. Allez, dégage. Ouais. Écoute, j'en ai rien à foutre. Je t'ai dit, tu rentres à la maison. C'est bon. Boss terminé. Bon, je me suis un peu laissé. Entre nous, les gars, j'avais tellement d'herbe. Je me suis laissé un petit peu tabasser la gueule. Mais bon, je voulais l'argent. Et je vous cache pas que si. S'il mourait définitivement en tombant, ça m'aurait fort déçu. En plus, regardez. De quoi encore? J'ai trop soin, les mecs. Je peux me remettre ma vie complètement 8 fois. 8 putains de fois. Et il me reste une petite herbe, hein, un petit plaisir. Et en plus de cela, le magnum, bah, j'ai juste amélioré sa contenance. Et je suis le mec le plus OP ever. Ah, il y avait une petite porte ici, hein, que j'avais pas réussi à ouvrir. C'est dommage, on a loupé la cinématique. Un peu déçu, je vous avoue. Un peu déçu. Je sais pas du tout ce que cachait. Bon, je pense que c'était le boss qui remontait, hein, aucun problème là-dessus. C'est fini, attendez. Attendez, je les connais, les malins. Je les connais, c'est possible qu'ils cachent... Non, ils cachaient rien. Ils ont... Non, ils avaient pas l'air de cacher de trésor. On va pouvoir continuer. On va aller voir le vendeur. On va aller s'améliorer. On va aller se mettre super bien, les gars. Alors, il y a une échelle ou un ascenseur. La logique voudrait que je prenne l'échelle, parce que je suis un connard. La deuxième logique voudrait que je prenne... Finalement, l'ascenseur. Attendez, c'est quoi ces conneries? On se retrouve où, là? Mais il met nous, l'ascenseur. L'ascenseur démoniaque. Ok, je pense que là, c'est la suite. Donc, finalement, on va aller prendre l'ascenseur pour récupérer le petit trésor. Ah non, c'est pour revenir en arrière. Tiens, on va voir. On va voir ce qu'il y a derrière. Un petit plaisir. S'il te propose de revenir en arrière, c'est que ça fait plaisir. Ouais. Et il y avait quoi? Une herbe. C'est tout? D'accord. Ok. Bon, bah, j'ai fait les salles suspendues. On peut repartir. Bon, les gars, hey, encore une fois, si je peux me remettre ma vie 9 fois, c'est pas un mal, hein, on va pas dire non. De toute façon, j'ai souvenir qu'après, ça reste quand même pas mal corsé. On va affronter pas mal de vilaines choses. Ce boss était bien relou en soi. Pas le plus difficile. Alors, pour le moment, c'est vrai que quel était le boss le plus difficile? Bah, je dirais quand même Lord. Pas Lord Saddler, Salazar. Non, pas Salazar. Si, je crois que c'était Salazar. Le mec avec la grande beubare. Je pense que c'était Salazar. Je dirais que c'est lui, tu vois. Il était bien relou dans la grange, vous savez, avant qu'elle s'écroule. Je pense que... Ouais, je miserais tout sur lui, parce que bah on n'était pas super bien niveau arme. Yo! Ok, des petites balles de gun, ça ferait plaisir aussi. Non, nickel. Nickel. J'ai toujours pas de balles de pistolet, il m'en reste 4. De quoi en arracher 4, hein, on va pas... Oh! Allez, ça dégage. Ça dégage, les potes. Voilà. Je vous avais pas dit de quoi en arracher 4? 4 balles. On en arrache 4. J'ai plus de balles de pompe. Il me reste des balles de TMP. Donc, on va utiliser les balles de TMP. Yo, les gars. Allez, hop, on descend. De toute façon, il n'y a plus grand monde là-dedans. Tout le monde s'est fait enculer comme jamais. Hop, balles de pompe, ça fait plaisir. Voilà. Tu dégages. J'ai cru que t'allais m'en... Oh, putain, mais il y a encore une herbe jaune. Les gars, vous êtes terribles. Hein. Vous êtes terribles. Hein. Je vous assure qu'on est en difficulté. On est en européenne extrême. On est dans une difficulté incroyable. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ok, on va prendre l'herbe. Attends, pas de cinématique chelou qui s'enclenche, s'il vous plaît. C'est pas le moment. Voilà. Et de l'autre côté, il y a quelque chose. Attendez. Grâce à mes petites techniques ancestrales. Non. Je vois une porte au loin. Je dois trouver un chemin pour y accéder. Je l'ai. Je l'ai, le chemin, les gars. Vous en faites pas. Bon, bah, on y va. On va rejoindre le vendeur qui était juste en dessous. Bah alors, frérot, tu restes tout seul sans rien dire? Ça fait mal? Ah, d'accord. 2 balles de TMP. La tristesse du bonhomme. Très bien. En soi, pourquoi pas. Attendez, j'ai vu quelque chose briller. Eh oui, mon œil de lynx ne trompe jamais. Des munitions de sniper. Ça fait plaisir. Et sinon, les ennemis qui me font clairement le plus flipper, où je pourrais me chier dessus, c'est tout simplement les René... Putain, j'arriverai jamais à le dire du premier coup. Les René Generados. Voilà, les Regenerados. Je crois que c'était ça. Ok, on a un trésor sur la droite. À gauche, on n'a rien. Et on a un marchand juste en face. Plutôt cool. On peut continuer, les amis.
Qu'est-ce que je vais faire? J'ai déjà fusionné, oui, je l'avais fait en début de vidéo. Je perds la tête. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais fusionner ça. Avec ce... Oh là là, ça me fait mal au cœur. Tous ces soins. Ok. Ouais. Je garde l'œuf, hein, les gars, pour le boss final. Vous verrez, petite surprise. Surprise, motherfucker. Si on arrive à le tuer avec l'œuf, ce qui est possible, hein, de tuer le boss final avec l'œuf, je ne vous dirai pas qui c'est. Bah, franchement, sucez-moi, quoi. Clairement, les gars, dans les commentaires, je veux que vous me pipiez tout ça. Ok, sur la droite, il y avait un trésor. Dis-moi que c'est. Yes! Yes! On a complété notre chat. On va pouvoir le revendre de ce pas. C'est incroyable. C'est incroyable. Ok, et sur la gauche, il y avait quoi? Des petites caisses. Je prends des lingots. Oh bah putain. Régalez-moi plus souvent! Ok. Impeccable. Oh, on est bien. Oh, qu'on est bien. Oh, la bonne ambiance. Oh! Ben, on les a déjà tous faits, il me semble. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il reste une porte? Ok, j'ai des objets rares étrangers. Bah attends, moi frérot, si toi t'as des objets rares, attends de voir ce que j'ai à te vendre parce que t'es pas prêt, mon petit pote, hein. On a un lynx doré, vert, rouge, bleu. Il est complet, mais je suis pas sûr. Ils me mettent le doute, ces enfoirés. Ils viennent de me mettre le doute. Parce que 35 000, ça me paraît peu quand même, hein. Mais après, c'est vrai que j'ai un petit côté américain. Donc, Ok, optimiser, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut optimiser. Bah, hey, il est temps de se redonner quelques munitions, quelques balles, pardon. Hein? On va finir, je crois qu'on va finir. Oh là là, on est tellement bien, les mecs. Oh putain, vous imaginez pas. Ok. Et puis voilà. Il me reste 18 000. On est trop bien. On est trop bien, c'est terrible. C'est terrible! Terrible quand ça se passe comme ça. On a une petite note à lire. Oh là, oh là, la lampe, elle me met des coups de pression. Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas prêt. Note de Krauser. Le vieux Saddler ne m'a jamais fait confiance. J'avais réussi à enlever Ashley, mais j'ai compris que Saddler se méfiait de moi car il m'a caché des choses. Vu la situation, j'étais obligé de lui demander de l'aide. Peut-être qu'elle savait depuis longtemps que les choses allaient tourner comme ça. Il m'a semblé que son objectif final était différent de celui de Wesker et du mien. C'est le moment d'en avoir le cœur net. Après avoir tué Léon et récupéré l'échantillon, je la mettrai dans le même cercueil que Léon et j'enverrai le tout à Wesker. D'accord, il a une petite haine envers Wesker. Alors, faut savoir que Krauser, on l'a déjà vu dans Resident Evil 2, il me semble. Oui, dans Resident Evil 2, où c'était Leon S. Kennedy aussi, avec Ada. Oui, c'était dans Resident Evil 2 qu'on l'avait vu. Il était beaucoup plus chétif en soi, hein. Attends, j'ai pas... Code Veronica, non? Non, je crois que c'était RE2. N'hésitez pas à raconter un peu l'histoire de lui, parce que c'est vrai que tout le monde s'en bat toujours les couilles. Bah, en soi, mec, j'ai tout terminé, hein. Ah ouais, c'est chiant. Attends, on sait jamais. Eh, surprise, motherfucker. Il suffit que je passe la porte et qu'il y ait un petit truc, non? Non, 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 bougez pas. Non, on avait tout fait. On avait tout fait. On avait pris pas mal d'avance sur ces mini-jons. On s'en était débarrassé assez vite. Je sais que ça vous saoulait aussi, donc aucun souci là-dessus. On est plutôt tranquille. Mais on n'a pas gagné tant que ça. Je m'attendais à beaucoup plus, tu vois. Je m'attendais à beaucoup plus. Mais après, c'est mon petit côté Amerloc qui parle. Petit côté américain. Hop, on a rechargé le magnum. Ouais, donc je suis bien une belle salope à avoir triché comme ça, ouais. Plutôt cool. Ah, c'était les petites astuces, hein, à l'époque, fallait s'en sortir comme on pouvait, hein. Ok. On est bon. Hop. Nickel. Des trésors. Donnez-moi des trésors, les mecs. Gavez-moi de trésors. Ça serait bien que le Broken Butterfly, j'arrive à le mettre à son maximum, à son apogée. Et vous allez voir que le boss final va être une partie de rigolade. Ok, des ruines. C'est pas mal. On va le faire. Oh là là, mais les gars, vous donnez trop d'herbe, vraiment. C'est gênant, c'est super gênant. Regardez, je peux... C'est trop gênant. Ah oui, les mecs, vous nous gavez là. C'est pas possible. Putain, merde. Matez-moi ça. Oh là, oh là, oh là, oh là. Ouais, ouais. Ouais, ouais. 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 En soi, je veux bien. Vous savez que ça va partir en couille? Je crois qu'il y a un boss là. Il va se passer des trucs avec les... Je me souviens. Oui. So, you two are all hooked up now, is that it? Where's Ashley? Do you really want to know? She's beyond that gate. But you'll need three insignias to open it.
What are you gonna do, Krauser? There's one in the north, and the other in the east. And let me guess, you got the last one. It pretty much means you're on a tight leash. Sounds like you thought this one out pretty well. Ok, on est parti les potes. Donc c'est Krauser. Alors bon, pour Krauser, hein, on va utiliser ma spéciale. Ah, ça c'est bien. Je l'ai vu. Je l'ai vu, mais tu es rapide, jeune homme. Ok. Tu es très rapide. Quoi? Ok, c'est bon. On est, je suppose, à l'abri. Tu es très rapide, mais es-tu aussi rapide que moi? Ah ah! Il est où? T'es où, salopard? Quoi? Il est derrière moi. Aïe! Allez, dégage. Ouais, c'est intéressant. C'est pas mal. Allez, dégage. Hop! Hop! Oh là là! Avoue, t'étais pas prêt, même. Voilà. Et ouais, mon pote. Ouais, les saltos, tu me la fais pas, mon pote. Je connais. Allez, dégage. Dégage, les. Ok. On l'a bien enculé. Je pense qu'on l'a bien enculé. Ah, c'est déverrouillé. D'accord. Ah, fallait qu'il me fasse son petit sketch. D'accord. Bon, bah, on va aller à la prochaine... comment on peut appeler ça? La prochaine porte, entre guillemets. Bon, là, on va l'arracher, hein, les gars. Je me fais pas de soucis là-dessus. C'est un grand chorégraphe, à la base. Kamel Wally, on l'appelait dans le milieu. On va tracer, ok. Ah, putain. Non. Allez. Quoi? Dégage, je t'ai dit. Hey, tu sais quoi? Hey, parce que c'est toi, frérot. Allez, dégage. Ah là. Trois fois. Par contre, j'avoue que ce petit bâtard m'a forcé à recharger mon magnum. Un peu déçu. Y'a quel... Oh. On va passer par ici. J'ai toujours pas une insigne, un plaisir. On confirme que je n'en ai pas. On confirme que je n'en ai pas. On peut continuer. Bon bah on va aller tout droit. Go. Oh mais c'est bâtard. Il me demande d'esquiver, ça casse les couilles. Vous êtes vraiment des salopes hein. Oh là, soin tout. Allez, ça dégage. Hop, j'ai pas le temps pour tes conneries. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas. Ok. On va prendre ça peut-être, non? Oh putain, j'ai plus rien. J'ai plus d'espace. Qu'est-ce que c'est? What? Dégage, gros. Attends. Hop, voilà. Je t'ai dit que t'étais mignon. Faut mourir. Alors. Oh, bah tu m'as tarissé. Mais il meurt pas par contre. Ok. Bon, faut mourir, monsieur. Ça fait trois fois que tu t'échappes. Assez facilement en plus, c'est assez relou. Qu'est-ce que c'était? Dégagez, les gars. Vous êtes là, vous me racontez vos vies, enfin, un peu de respect. Krauser, il est solide, hein. Il est solide, il est dur sur ses appuis. Qu'est-ce qu'on va faire? Pff, oh là, mais j'ai des... Mais les mecs, mais... Voilà, si tu veux, j'en prends de l'herbe. C'est l'épisode de la drogue. Allez, et demain. What do you intend to do restoring Umbrella? To bring order and balance to this insane world of ours. A psycho like you can't bring order or balance. You don't seriously think a conservative mind can chart a new course for the world, do you? Ok, vous avez obtenu un morceau de l'animal sacré. Il me semble qu'en plus, Krauser, on peut le tuer au couteau. On peut le tuer au couteau sans trop se faire chier.
Ok. Bah, quand il te demande d'esquiver et que... Putain, c'est vraiment malaise. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Je me souviens plus ce qu'il faut faire. Tu veux pas appuyer avec moi de l'autre côté là, non ? Voilà, tu dégages. À travers un mur, c'est toujours un plaisir. Non, tu veux pas ? Qu'est-ce que c'est ? Don't just stand there. Come out and fight like a man. Ah, faut le provoquer. Just trying to have fun. Moi aussi, je peux tirer, Bolos. Alors, j'ai... Je comprends pas. Il y a deux dalles, gros. Dégage. Il y a deux dalles, frère. Ça va aussi. Hein. Ça va, mec, hein. Ça va, hein. Oh, t'es lourd. Mais, oh ouais, mais t'es super lourd. Mec, il y a deux dalles. C'est quoi votre problème? Ça va être avec Ashley, je suppose, mais... Vous êtes chiant, hein. Ok. Ah oh oui, d'accord. Toi, t'attaques comme ça par surprise. Tu fais le show, mais au final, t'es qu'une pédale. Allez, tiens, on va faire un salto. Voilà. Ok. Bon, ça devient chiant. On va saisir. On va. Eh, ferme-la. Ah, là, tu sais te barrer. Putain, mais c'est terrible. Je vois pas du tout. Ah, fallait juste attendre. Oh, les lourds, putain. Ok, bon bah c'est parti. On va pousser calmement. D'accord, donc il reviendra plus là, on est tranquille. On peut dire que le Magnum règle plutôt bien les choses en soi, c'est plutôt sympa. Voilà. Et on est bon. Allez, bonne chose de faite, fallait juste l'arracher. Bah ouais, mais les gars, attendez. Je me suis dit au début, c'était pas con en soi, hein. Je me suis dit, il faut que Krauser soit sur une dalle et tu sais, tu le provoques, c'est pour ça qu'il fallait réagir. Fallait le mettre sur une dalle, puis toi tu vas sur l'autre dalle, et en étant deux bolos, t'actionner le truc. Mais au final, pas du tout, pas du tout. Bah on va récupérer tout ça, on va reload. Et puis on va continuer. Ah, il m'aura utilisé quelques plantes, hein, ce salopard. Il m'aura utilisé quelques plantes. En soi, je sais même plus qu'est-ce que je fous là. Ah oui, j'ai récupéré un insigne. Plutôt cool. Oh putain! Ah, tu fais des petites attaques surprises, toi! Ah ouais, carrément! Bon, je crois qu'on peut le tuer à la fin de toute façon. J'ai utilisé v'là les balles de Magnum pour rien, mais bon, vous me connaissez, je suis avant tout un grand cœur. Ok, hop. Ouais, mais bon, regarde, il me redonne des herbes, j'en peux plus. Ok. Allez, ça dégage. Des munitions de pistolet maintenant, oh là là. Oh là là, vous êtes d'un ennui. Ah putain, par contre ils m'ont refait niveau gun, ça fait plaisir. Ok. Et c'est quoi ton problème? Ah, c'était ça. D'accord. D'accord, bah fallait le dire, écoute. Je m'attendais pas à ça, je t'avoue. Ok, là y'a rien. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Ouais. What is it that you fight for, comrade? Je réagis, hein, faut le provoquer. Umbrella. Ouais. Je pensais que reculer suffisait, mais pas. Ok. On continue. Ah, il est stylé ce combat, hein. Avec Krauser, il est vraiment stylé. Bah, tu sens qu'il y a un passé, tu vois. Il y a un passif entre les deux. Oh là là, genre. Les gars, vous me faites déborder là. Ok. Bon, bah on va récupérer le deuxième et puis on va pouvoir tuer Krauser. C'est plutôt cool. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est mon plan d'avenir. Allez, frérot. Hop. Bonne chose de faite. C'est bon. On a les deux Krauser. Salut, frérot. Two down, one more to go, Krauser. We'll see about that. Witness the power!
You've lost it completely, Krauser. Prepare for your death, Leon. Quoi? J'avais esquive? C'est quoi ces conneries? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a plusieurs possibilités, je dois le tuer déjà rapidement. Hop, combiné. Et vous savez quoi, vu que j'aime bien quand il y a de l'herbe... Alors, quand il y a de l'herbe à gogo, bah on va lui mettre des petites balles de magnum pour commencer, on va le titiller un peu. Allez, dégage. Allez, dégage. Ah ! Ok. Ensuite, une fois qu'il est titillé, le monsieur, on va mettre une petite grenade, je sais pas ce que vous en pensez. Non, mais là... Voilà. Ensuite, une fois qu'on l'a bien titillé, qu'il commence à être fâché, des petites balles. Allez, vas-y, va faire ça le coup là-haut. Voilà. Voilà. Allez, ferme-la. À tout jamais, ma gueule. Voilà. Hop, alors. Moi, j'esquive, je m'en fous. Voilà, dégage. Faut mourir, monsieur. Voilà. Bon, cet homme. Je prends des coups, mais pour l'enculer, quoi. Enfin, plus rapidement, à la base. Ouais, là, t'es chiant. Là, t'es chiant. Écoute, il me reste 2 minutes. On est large. Je vais me balader, frérot. Je vais récupérer des balles de magnum, carrément. Vous me régalez. Vous voulez vraiment utiliser le magnum? Allez, dégage, t'es... Merde! Tu prends des putains de coups dans ta gueule, mon pote! Faut mourir, Krauser, s'il te plaît! Bon, on va réutiliser... on va réutiliser les nerfs, si tu veux que je fasse. Voilà. Qu'est-ce qu'on lui fait? Un petit coup de magnum? Si tu veux, tiens, hé. Ah, d'accord, bah, toi, tu protèges les yeux, évidemment. Toi, t'es le meilleur. Allez, ferme-la. Tu sais, je... Vas-y, viens. Tête de ma mère, c'est la dernière fois que j'utilise un chargeur entier pour toi. Allez, dégage. Allez, c'est parti. On peut se casser. Ah, il m'aura bien fait chier quand même, hein. En soi, Krauser, que t'est-il arrivé? Tu étais un type bien. C'est vrai que c'était un bon gars à la base. Bon, il nous reste 15 balles plus des chargeurs à gogo. Vous inquiétez pas, on est très très large. J'aurais pu le tuer au pistolet et tout, mais franchement, je voulais pas me faire chier les mecs. Donc, on l'a découpé le bordel. On va pouvoir ouvrir la porte et se casser. Aucun putain de souci, il nous reste 1 minute. On peut même faire le tour du proprio, hein, si vous le souhaitez. Mais bon, en soi, c'est pas l'objectif. Ok, et de 1. Donc, le serpent. Je suppose que c'est un serpent. De 2, la tête de lion, de guépard. Plus de guépard, je dirais. Je connais bien. Et de 3, le corbeau. je sais pas du tout. Je vous avouerai que je sais pas, hein, donc vaut mieux fermer sa gueule sur le coup. Et c'est bon. Taux de coup au but 66%, ça a bien baissé. Et 0 mort du personnage. On est parti, on sauvegarde et on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Et on se retrouve très très vite pour la suite. Bisous tout le monde, ciao ciao.